Je m'appelle Saïda Zulfegarova, je suis pianiste concertiste et professeur de piano et je suis professeur à l'académie. Alors quelques mots sur mon parcours musical. Je suis née en Azerbaïdjan, dans la ville de Bakou, et c'est là que j'ai fait mes études de musique. Je peux me considérer comme quelqu'un qui continue les traditions de l'école russe de piano. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des projets avec des différentes disciplines, donc avec le théâtre, avec la danse. Ma vie artistique m'amène aussi bien en Afrique qu'en Russie ou en Italie et bien sûr en France aussi. Les gens qui m'ont influencé dans mon parcours, je pense que c'est bien sûr mes parents qui étaient des musiciens et aussi mon oncle qui est un compositeur célèbre d'Azerbaïdjan. Je ne peux pas passer bien sûr à côté de Norm de Ludwig van Beethoven parce que c'est un compositeur qui m'a donné vraiment envie de jouer le piano. C'était vraiment pour moi quelque chose de sacré. Parmi les grands interprètes, je dirais qu'il y avait bien sûr Svetoslav Richter, on va dire monstre sacré de piano. Et parmi les femmes interprètes, je dirais que c'était Eliso Versaladze, une grande pianiste géorgienne. Faire le mieux possible, faire toujours le mieux possible, parce que je crois que musique c'est une des plus belles choses que l'humanité possède. Et là, pendant la période de Covid, c'est particulièrement difficile, je pense, pour les musiciens, mais aussi pour les gens qui aiment la musique, parce qu'on est dans quelque sorte en séparation forcée, mais j'espère qu'on va se retrouver bientôt.